Toyokana. Mais tu tiens mon diable Lorraine à Liboso. Tu tiens mon amoukete, à Zangi expérience. Mboka ezamounene, il faut un président costaud. Un président costaud. Plus puissant. Faites asseoir par terre ces criminels professionnels qui veulent amener un nouveau vaccin pour tuer les Africains. Seigneur Kabeza Mpungu, vous connaissez de qui je parle. Vous connaissez de qui je parle et vous connaissez de qui je parle. Vous ne m'avez jamais déçu. Mais celui-là, ce grand criminel, ce terroriste de grande puissance, exagère. Il y a question que vous pouvez faire asseoir par terre. Parce que la race noire a été traumatisée dans le monde. Donc, je ne trouve pas du plaisir à voir les noirs se battre entre eux. Et bah Congo, et bah Luba, et bah Ngala, et bah Swahili, Toyokana. Mais tu tiens mon diable Lorraine à Liboso. Tu tiens mon amoukete, à Zangi expérience. Mboka ezamounene. Il faut un président costaud. Un président costaud. Je trouve un prétendu savant, un imbécile, un idiot, un diable appelé Bill Gates qui a fabriqué un vaccin pour inoculer le poison chez les enfants africains. Or, on massacre le pharaon, le nouveau pharaon d'Afrique. Je ne peux pas permettre qu'on continue à venir sacrifier le peuple africain. Seigneur Kabeza Mpungu, vous savez de qui je parle. Parce que la race noire a été traumatisée dans le monde. Donc, je ne trouve pas du plaisir à voir les noirs se battre entre eux. Les Bakongo, les Baluba, les Bangala et les Baswahili, Toyokana. Mais tu tiens mon diable Lorraine à Liboso. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13, toute l'équipe Grâce Beauté sera en votre service. Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Moutou Mokwabu, Aye, Bana Kongo Kishasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Zambé Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous êtes là.
cirrhose du foie, cancer de l'estomac, cancer des matrices, cancer des cerveaux, cancer des seins, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH, sida, hépatite B, faiblesse sexuelle. Mobile Akimayo, moi si Akimayo, à Pesayo 500 mètres. Hey! Olinge komisa moi si love kilao, papa love kilao. Benga le prophète de Mishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 700 70. Nalobi 00 243 81 61 96 700 70. Benga à sakola ponayo, apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima qui a fabriqué dans son laboratoire le virus de sida et d'Ebola. Vous connaissez qui a fabriqué ce virus et qui l'a amené en Afrique. Ce virus tue des milliers d'Africains. Seigneur Kabeza Mpungu, vous connaissez le vrai responsable. C'est lui-même qui a décimé les peaux rouges. Il veut maintenant décimer les noirs. Seigneur Kabeza Mpungu. Seigneur Kabeza Mpungu. Mais vous êtes le commandant en chef de l'armée céleste. Vous êtes le plus puissant. Faites asseoir, partez. Ces criminels professionnels qui veulent amener un nouveau vaccin pour tuer les Africains. Seigneur Kabeza Mpungu, vous connaissez de qui je parle. Vous connaissez de qui je parle et vous connaissez de qui je parle. Vous ne m'avez jamais déçu. Mais celui-là, ce grand criminel, ce terroriste de grande puissance, exagère. Il y a question que vous pouvez le faire asseoir par terre. Faites asseoir par terre ce terroriste de grande puissance, Seigneur Kabeza Mpungu. C'est celui que se trouve un prétendu savant, un imbécile, un idiot, un diable appelé Bill Gates qui a fabriqué un vaccin pour inoculer le poison chez les enfants africains. Or, on massacrait le pharaon, le nouveau pharaon d'Afrique. Je ne peux pas permettre qu'on continue à venir sacrifier le peuple africain. Seigneur Kabeza Mpungu, vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. Et j'ai entièrement confiance en vous parce que vous ne m'avez jamais déçu. Mais faites asseoir par terre ces criminels de grande puissance, le plus grand terroriste du monde, qui est terroriste. L'Arabe qui a tué un Anglais ou ce terroriste qui a amené le virus de sida, Ebola, qui a tué des milliers d'Africains, qui est le grand terroriste, vous le connaissez, Seigneur Kabeza Mpungu. Faites-le asseoir par terre. Il n'y a pas longtemps, je t'ai demandé de faire descendre le feu. Vous m'avez entendu et vous avez descendu le feu en Californie qui a brûlé totalement. Mais Seigneur Kabeza Mpungu, il y a toujours des Bill Gates aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à ce peuple? Ils nous ont maltraités et ils continuent à nous maltraiter. On veut de nouveau envoyer le vaccin pour inoculer le poison chez l'enfant africain. En tant que nouveau pharaon, je ne peux pas accepter ça. Nous sommes à l'époque du berceau, l'heure de la réconciliation des races. Je voudrais amener la paix dans le monde, mais les vrais terroristes qui sont la cause de toutes les guerres du monde, vous les connaissez. Seigneur, vous les connaissez. 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 Ils se croient impunis. Ils croient être les grandes puissances de la foutaise. Si je fais venir un ingénieur de l'étoile de Kakongo, tout sera par terre. Parce qu'avec la chimie de l'étoile de Kakongo, nous savons prendre le Nzika et le transformer en arme. Mais l'huile de Nzika, on peut l'extraire
et on obtient du médicament qui soigne toutes les maladies. La technologie de ce monde, c'est là des apprentis sorciers. Et la technologie des Gakongo est de loin supérieure, supérieure, supérieure. Seigneur, protégez l'Afrique du nouveau vaccin de Bill Gates. Vous me direz comment on va tout commencer. Chantez. C'est pas le Mumba. Parce qu'il a payé le karma négatif du peuple congolais pendant 30 ans de prison. Mais en 21, ce pays était martyrisé par le joug belge. Dieu envoie un Mukongo, pas un Mulouba, pas un Mouswahili, pas un Mungala. Il envoie un Mukongo, Mbuta Kimbangu. À l'époque actuelle, le pays est martyrisé par le Tutsi rwandais. Une fois de plus, le Seigneur Kabeza Mpungu a choisi encore un Mukongo, Nemwanda Nsemi, pour sauver ce pays. C'est à prendre ou à laisser. Ou vous obéissez à la volonté de Dieu, ou ça casse. Parce que avant la colonisation, Bakongo, Bangala, Baluba, tout ça qui m'a beaucoup à mon côté, on nous a forcé de force. Et en Europe de l'Est, tous les pays où il y avait deux, trois tribus ont déjà éclaté en plusieurs états indépendants. Chaque tribu devient indépendant. Donc, tout le monde a dit, parce que tout le monde a dit, Yokana na Baluba, Yokana na Bangala, Yokana na Baswahili, parce que tous allez battre Mwindu. Mais ce que vous yokana les alités, séparons-nous. La terre de Kinshasa, c'est la terre de Bakongo. Si les Bangala, les Baluba, les Baswahili ne sont pas d'accord, qu'ils sortent de notre terre, ils rentrent chez eux. Moi, j'ai les moyens. Je suis le général Mavumakosi. J'ai les moyens pour les chasser d'ici. Mais ce sont mes frères noirs. Je leur demande qu'on s'entende. Parce que la race noire a été trop martyrisée dans le monde. Donc, je ne trouve pas du plaisir à voir les noirs se battre entre eux. Les Bakongo, les Baluba, les Bangala et les Baswahili, Toyokana. Mais Toyokana. Tout est à moi dans mon côté, à Zangi expérience. Mboka Eza Mounene, il faut un président costaud. Un président costaud, comme le général Mavoumba Nkosi. Alors ce pays va galoper vers la grande puissance mondiale. Nous allons se débattre. Et on deviendra la première puissance du monde, je vous le jure. Je suis capable de faire venir les ingénieurs de l'étoile Kakongo. Ils vont développer l'Afrique d'une façon terrible. Les Blancs vont commencer à venir chercher le travail ici. Et vous, vous allez cesser d'aller mourir à Ampedusa. Mais les Bangala, les Baluba et les Baswahili, sachez que nous sommes des Noirs. Et dans le monde entier, on a trop ridiculisé le Noir. Mbuta Kimbangu, ce jour, il a dit, vers le lever du soleil, il a dit que les Blancs maltraitent toujours les Noirs. Je serai maintenant obligé de punir les Blancs. C'est tout. Chantez la chanson. Mouta Kimbangu a qu'un besoin. La mignonne, hey, la mignonne,
Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata.